Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ici Vrandan Abilo pour une nouvelle vidéo de Vandars 2. Donc, 9 mois après la précédente vidéo, me revoici là. J'ai l'impression en fait, je fais une vidéo tous les 9 mois, c'est plus actif sur Dailymotion. Mais quand même, ça fait plaisir que malgré mes 9 mois d'inactivité sur Vandars 2, bah, le VT continue de tuer par une petite poignée de personnes, ça me fait vraiment plaisir. Et je me suis dit, il faudrait que j'essaie de reprendre plus régulièrement. Enfin, je promets rien, mais je vais essayer. Alors donc, dans la précédente vidéo, on s'était occupé de la première partie du château Gabule. En fait, j'avais dit n'importe quoi, en fait, c'est... Comme vous pouvez voir, je suis sur la carte du monde, et en fait, c'est les deux batailles-là ne s'enchaînent pas forcément. Enfin, c'est... On peut les faire et sauvegarder entre-temps. Donc, on a défait Jamir et Manon. Et donc, on se rend maintenant pour la deuxième partie du château Gabule. Ouais, ça fait plaisir d'y retourner sur Vandars 2. Disons que j'avais perdu mes sauvegardes, j'ai dû les refaire, c'est pas forcément toujours ça. Oui, je perds souvent mes sauvegardes en fait, c'est bizarre. Donc petite cinématique, je vous laisserai lire les dialogues. Donc à tout de suite.
Me revoilà pour un bon petit combat là. Alors, on a pu récupérer Agresse. Enfin, je trouve c'est un beau perso. Enfin, je sais pas, j'ai trop mignon parce que je passe son caractère, il est pas mal. Elle est extrêmement timide, elle ne parle quasiment pas. C'est rare. Bah voilà, donc j'ai le petit topo sur vos personnages donc. Elle a quand même un bon équipement. Mais vous allez voir que sur les vidéos sur eux, je vais changer son équipement. Alors donc. Alors on a enfin un nombre pair, qui est pas mal. Enfin, j'en ai pas. Ouais. Là. Je vais pouvoir mieux répartir. Voilà. Début de la bataille. Alors, nous sommes 8, ils sont 11. Voilà, donc 2 mages, 4 guerriers volants et 4 guerriers. Donc, Jacob qui est pas au niveau 32 et qui a... C'est quoi le truc qu'il a ? Voilà. Alors donc, comme d'hab, vu que c'est le boss, enfin le chef des Blood Knights, il attaquera en dernier, quand il y aura quasiment plus personne. Alors donc, on a deux coffres ici, un là et l'autre là. Et un objet caché, si je me trompe. Il est en D7 H0. Il doit être là. Donc, récupérer tant qu'à faire. On peut dire que cette bataille va se dérouler en deux grosses parties. On va d'abord attendre que les guerriers se ramènent. Éradiquer, voilà, on va se placer. Donc là, on peut voir quand même par rapport à mes autres précédentes, lorsqu'il y a le double déplacement, ça ne l'a plus. Puisque entre temps, j'ai pu changer d'ordinateur. Donc, les vidéos sont beaucoup mieux. En fait, pour l'instant, là, je fais comme eux. C'est-à-dire que je me dispatch sur les côtés. Et on les attend. Donc les guerriers volants commenceront à se déplacer. Donc, ils font encore plus de guerriers au sol. Le mage attendra que les guerriers soient blessés. Mais sinon ce que j'ai fait ça c'est pour augmenter les SP et débloquer une nouvelle magie plus rapidement. Comme vous avez pu le voir, j'en ai profité pour changer l'équipement de Rato et Maria. Ouais. Ah oui, d'accord, je suis entre 50 et 25 FPS à chaque fois. Disons que ça se voit pas sur la vidéo qu'il y a du live. J'espère que ça ne l'aggrave pas. Mais bon, je crois qu'il y a le temps de la course. Alors, je ramène Pike ici à côté de Joshua et des autres. D'accord, donc c'est lui le premier à se ramener. C'est en fait, je vous explique, je vais littéralement fondre sur lui. Il s'est ramené en premier. Donc en fait c'est un qui fond, d'accord, il y a fait un de chaque côté. On va essayer de me piéger au maximum. Ok. Alors. Est-ce que je vois une chouille vraie? Ah oui. J'ai le rapport de 3, 137 contre 204.
Mega 205 203 attaquer Pratos dans le vide. On a quand même fait pas dos à dos. Ça, ça m'arrange bien. Il y en a forcément qui va être crevé. Donc le plus grand danger de... Enfin, l'ennemi le plus fort, bah, c'est Jacob, hein. Logique. Voilà, on va se dire, hein. Ouais, c'est déjà un en moins. Un petit level up pour le fun. Lorsque j'aurais mis les deux autres guerriers, bah, les volants vont commencer à se ramener. Et eux, on ne sera plus jamais. Il faut juste que je check le magicien. Je sais plus si c'est que des sortes de soins. Incroyable. Ouais. Il y a Mindlaser. Donc c'est un truc qui réduit. La taille du personnage si ça marche et elle peut plus faire grand chose en fait. Si je me trompe pas, c'est là. Voilà. Donc de ce côté là, on est débarrassé. Attaquer ceux qui auraient le moins de PVE entre les je suis planté. 51, 30. Le mage commence à s'approcher pour tenter de lancer son sort Mindlaser. Ah bah non. Voilà, ils pensent tous à converger vers notre position. Et pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Juste préparer ce qu'on se remette à nos positions d'origine. Pour les cuire comme il se doit. Je veux pas gaspiller un gros point, je suis plus maxi herbe. Je
Ouais, je peux pas faire bouger, ça peut pas faire pas grand chose. Ça y est, on a repris l'avantage au niveau du nombre d'adversaires. Et j'ai envie de remarquer juste qu'il y avait deux mages, il n'y en avait pas qu'un seul. Je commence à être fatigué. Ah bon? D'accord, lui en fait il est que soigné. Non. Je vais juste faire un truc ici. Et donc il va essayer d'attaquer dans le dos. C'est pas très court ça, vous en conviendrez. Mais c'est juste là, la courrier SAP. C'est pas grave. Alors, le mage va s'empresser de le soigner. Totalement celui-là. Pour l'instant, ma stratégie est vachement chiadée, mais c'est pas mal. Je sais pas, parce que là vous pouvez voir quand même que j'ai même pas encore fini de l'été, mais je traîne vachement sur YouTube pour faire des vidéos. Excusez-moi. Comme je vous l'ai dit, je suis plus actif sur des machins. Et donc je sais pas encore, mais j'espère pas. Mais je pense en fait arrêter les vidéos sur YouTube parce que voir quand même. Je pense avant tout à ceux qui attendent qui pas impatiemment et qui attendent les vidéos. Vous pouvez voir quand même que ça en met du temps. Donc c'est vrai que pas pour faire attendre, comme ça je vous annonce directement que ça s'arrête là. Et que vous attendiez pas. Ce que je veux dire, donc je sais pas encore, mais ça j'ai dit que j'espère pas. Alors c'est rien qui est soigné celui-là, décédé. Et le sens, c'est à fort ou level up. Je vais voir si je peux commencer. Alors on va voir comment je vous fais des assauts. Si j'arrive à le tuer en deux magies, franchement c'est parfait. Bon bah, je pense qu'on pourra lui dire adieu. Voilà, donc finalement je pensais que cette boîte serait un peu plus longue. Mais je vais pas avancer trop les autres quand même. Le boss à lui tout seul peut faire extrêmement mal. Je pourrais réussir à épuiser ses sorts. Mais après, même en combat à la régulière, il fait des dégâts quand même. Genre il pouvait m'attaquer d'ici. Ça je savais pas. Attends, il y a une double hauteur. Ah, c'est parce qu'il est équipé d'une lance, d'accord. C'est avec les lances en fait on peut directement attaquer d'une double hauteur. Ok, ok.
Je suis sûr qu'il va tenter un coup de main de rapetissement. De rétrécissement. Non, juste se rapproche pour faire. Ah, j'ai ma flèche, je suis méchant. D'ailleurs, je m'en vais. Non, il a réussi à le soigner avant. Ah, bon sang. Je crois que je me répète par rapport au début de la vidéo, mais je vous remercie de continuer à cette poignée de personnes qui me suivent. Ça fait plaisir, ça fait grand plaisir. Ouais. En fait, quand je regarde les vidéos, je me dis faut que je reprenne. Ouais, je me dis faut que je reprenne, mais j'ai soit la flemme de le faire ou alors. C'est que je suis déjà occupé sur d'autres vidéos. Et là je me suis dit ouais, les Vandales aujourd'hui tu filmes du Vandal 2. Voilà. Déjà je suis pas à mon premier record de la journée. Donc en fait j'ai déhanché 1h30 de record tout à l'heure. Et je me suis dit tant pis, faut que je reprenne Vandal 2 parce que ça fait très longtemps et j'ai vraiment envie de m'y remettre, surtout que en fait là ce que vous ne savez pas c'est que cette map, ce que vous ne savez pas c'est que je vais apprendre tout à l'heure, c'est que cette map en fait elle va signer la fin du chapitre 2. Et oui, quand même, c'est chapitre 2 pardon, aura mis son temps à se faire. Tenter de rétrécir du monde. Voilà, arrêtez, quand vous êtes rétréci, vous pouvez juste avancer. Non, même pas. En fait, vous pouvez rien faire. Voilà. Alors. Donc, heureusement que j'ai pu prévoir le coup. Avec le sort à point minimum. Je sais pas ce que ça veut dire spécialement. Mais en gros, ça guérit du sort. En fait, soit vous possédez ce sort. Ah putain, j'avais pas vu qu'il avait également un tressimel. Soit vous possédez ce sort, ou soit vous pouvez acheter cet item, comment il s'appelle, ça va me revenir. Ah, le champignon, ouais, j'avais plus le nom. Acheter le champignon et voilà. Ah, donc j'ai vu que et c'est trop loin en fait dans une même zone pour que Jacob évite de s'en prendre à eux. Disons que Jacob en fait aime les ennemis de l'autre. Qui dit boss, il aime bien attaquer en premier. Faut voir quand même que c'est pas des petits dégâts. Hein. Heureusement qu'il a que. Petit fait trois fois ce sort là
que vous imaginez, tu peux utiliser autant de fois qu'il souhaite. C'est pas pour être pessimiste, mais on serait pas dans la merde, hein, c'était le cas. Donc, j'ai déjà commencé à entamer, je pense que ce mini-dor ne fonctionne pas. Elle était déjà petite de base, là. Là. Alors, si le jeu est entamé, voir lâcher avec le bâton. Ah, avec le bâton. Voilà. Donc maintenant, il est forever alone. J'ai vers lui à présent. Je vais lancer un petit sort de soin. Ah ouais. Ouais, juste que j'ai un pas de temps pour le tour suivant, c'est sinon... Ouais. Au moins qu'il y a un petit peu positif quand même, il se déplace assez rapidement dans cet état-là. Alors... Je crois que je vais perdre deux persos. Je crois. C'est à mon avis, il va attaquer Lyra et Gitchi et ils sont sensibles au vent. Donc je pense que je vais perdre tous les deux. Il a de la portée ce sort. Alors, juste extrêmement douloureux, mais j'ai perdu le temps. De toute façon, il semble que ça a la même portée. Donc, pour celui avec 8 dommages. Relancer l'assaut. Voilà. Et vous êtes qui... n'a toujours pas repris sa taille initiale. Après, je vais prendre des vitesses à ce tour-là. Mais de toute façon, il faut que après, je le tue tout de suite parce qu'il me manque encore le coulis du coffre à récupérer. Lance contre lance. Alors, je pense que cette agresse, bah, je vais le filer à Joshua. Pas attaquer tout de suite, je vais juste
pour tenter en fait de lancer ça. Déjà pour plus qu'il bouge. Bon, même avec l'archer, j'ai pas grand choix. Ah, va falloir que j'attende deux tours. Il a utilisé son dernier sort, on va dire un peu dans le vent, parce que je vois les rafistoler immédiatement. Pour l'instant, des bruits de casque un peu bizarres. C'est que j'ai oublié de vous faire une confession, c'est que je récorde depuis mon lit. Et franchement, s'il y a d'autres filmeurs qui regardent cette vidéo actuellement, essayez au moins une fois. Je veux dire, ça fait vraiment curieux, mais plus... Je sais pas dire plus on fait, je sais. En fait, plus la vidéo peut durer longtemps, et plus on se sent bien, et en fait, plus on... soit on dit des conneries, ou soit on est plus concentré, parce qu'on est plus détendu, du coup on a même de faire un meilleur commentaire. Enfin, du coup, moi, c'est une méthode que je suis... actuellement en train de breveter. Il va falloir que je devine qui doit bien pouvoir attaquer. Alors. Si je perds un perso, je pourrais quand même avoir mon bonus parfait parce que j'ai un sort très pratique. Je parierai sur Gira. Ah donc voilà, je peux récupérer tous les objets du niveau. Les bug eyes. Lunettes d'insecte. Ah non, il attaque à gauche. Je vais prendre une petite hauteur pour l'attaquer. Le face to face. Et voilà. Ah, j'ai gaffé, j'en suis quitte. Attendre notre prochaine rencontre pour t'envoyer au diable. Et voilà. Donc, fin de chapitre 2. Avec quand même un petit bonus parfait, hein, n'est-ce pas? Et bah, je vous laisse avec le reste de la cinématique. A tout de suite. Thank you.
Silencieux, les rouages de l'histoire commençaient à tourner, lentement mais inexorablement. La déesse du destin, poursuivant sa marche sans pitié, écrasait tout sur son passage, impassable et implacable. Les générations de traditions anciennes, d'honneur et de gloire ne rimaient plus à rien. Soucieuse de détruire tout vestige du passé, des plus sacrés aux plus laids, aux plus profanes, la déesse du destin poursuivait son chemin. Chapitre 2, fin. On enchaîne directement. En l'an de grâce 997, après 8 ans de guerre civile à Natra, une troisième faction semblait vouloir défier les armées engagées de Natra Est et Ouest. La nouvelle faction était dirigée par le roi Franz, revenu sur la scène de l'histoire. Elle se composait d'une coalition de puissants leaders de Natra Est et Ouest, dont le duc Luff et le baron Prato, qui établirent leur capitale à Nazca. Nommée Natra Centrale, la nouvelle faction attira bientôt le soutien du peuple, séduit par le charisme du roi Franz et heureux de pouvoir exprimer sa haine contre l'Est et l'Ouest, incapable de mettre fin à la guerre. Chapitre 3, et qui est donc l'avant-dernier chapitre du jeu. Donc, nous sommes au chapitre 3. Je vais m'arrêter là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. J'espère que je vous aurai pas trop fait attendre pour cette vidéo là. Donc sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien et à une prochaine vidéo. Salut.